Les souvenirs se mêlent à ceux des autres pour tisser une histoire. L'ancienne demande : comment avancer si d'autres n'ont pas déjà tracé le chemin ? La femme répond que les aïeux ne sont pas hors de soi, mais en soi. Ils sont dans le roulement des tambours, dans la manière d'accommoder les mets, dans les croyances qui perdurent et se transmettent. Ceux qui les ont précédés habitent la langue qu'elles parlent en ce moment. Elle sera transformée au contact d'autres langages. Les ancêtres sont là. Ni le temps, ni l'espace ne leur sont des limites. Elle dit qu'on ne peut dépouiller les êtres de ce qu'ils ont reçu, appris et vécu. Ici, l'océan chuchote à l'oreille de la terre, la caresse langoureusement, la désaltère de vagues nimbées d'écume. À le voir ainsi, on imagine mal se repaissant de corps humain, et pourtant. Thank you.
elle a la nationalité ou dans laquelle elle a sa résidence habituelle. Un réfugié est une personne qui craint, avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou du fait de ses opinions politiques. Dans un pays dans lequel il n'est pas né et qui a acquis d'importants liens sociaux avec ce pays. Je suis allée en Norvège parce que j'allais être en Norvège et après ensemble nous sommes allés, nous sommes venus ici. Mais j'allais quand il partait de l'Iran. C'est pas long conduite en ce lieu appelé Bebaïedi, un espace abritant un peuple neuf. Un lieu dont le nom évoque à la fois la déchirure et le commencement. La rupture et la naissance. Bebaïedi est une genèse. Ceux qui sont ici ont des ancêtres multiples, des langues différentes. Pourtant, ils ne font qu'un. Ils ont fui la fureur, le fracas. Ils ont jailli du chaos, refusé de se laisser entraîner dans une existence dont ils ne maîtrisaient pas le sens, happés par une mort dont ils ne connaissaient ni les modalités, ni la finalité. Ce faisant, et sans en avoir précisément conçu le dessin, ils ont fait advenir un monde. Je m'appelle Yacoub, je viens du Syrie, Je m'appelle Nina, je suis iranienne, j'ai 29 ans, je suis mariée avec Jalil, vous connaissez Jalil, et aussi j'ai une fille, Tania, aujourd'hui elle est à la crèche, et ben c'est tout. Bonjour, je m'appelle Yacine.
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. C'est un petit morceau d'un poésie en arabe, poésie de Ahmed Chouki. Il est d'Égypte et il parle de comment on peut rendre les souhaits vérité. C'est très difficile quand tu quittes tes amis, mais avec tout ça, tu crois que c'est pas grand-chose et tu peux refaire des amis dans le pays où tu vas. Mais il y a beaucoup de choses qui ne permettent pas à le réaliser. Parce que, selon moi, le premier et le grand problème, c'est la langue. Parce que tu n'oses pas parler avec les gens et ne sachant pas suffisamment le français. Tu te dis tout le temps, non, je parle pas bien, non, ils ne me comprennent pas, non, je parle pas. Et quand tu n'as plus de peur, tu vois des personnes qui pensent pas très bien sur toi, à cause de tout ce qu'ils ont entendu par rapport à ton pays et par rapport à ton culture, et etc. Parfois, tu arrives dans un pays en ayant un âge qui t'empêche pas d'aller au lycée, université, etc. et d'être avec les gens dans le même âge que toi. Moi, personnellement, je trouve ça le pire. Ils ont fait advenir un monde. S'ils parviennent à préserver leur vie, ils engendreront des générations. Prenant le statut d'ancêtre, ils lègueront une langue faite de plusieurs autres, des cultes forgés dans la fusion des croyances. Étranger. Je suis étranger, mais je suis homme. Je ne sais pas français, mais je suis homme. Je parle chante, mais je suis homme. Je suis noir ou blanc, c'est pas important, parce que je suis homme. Femme ou homme, petit ou grande, malade ou santé, encore je suis homme. Donc, qu'est-ce que je peux faire quand je suis étranger? Héberger. Offrir un abri provisoire. Héberger. Habiter une chambre, qu'est-ce que c'est? Habiter un lieu, c'est se l'approprier. Qu'est-ce que s'approprier un lieu? À partir de quand un lieu est-il vraiment le nôtre? Quand ton ami a trempé ses trois paires de chaussettes dans une bassine rose? Ou bien quand on a éprouvé les affres de l'attente?
ou l'exaltation de la passion, ou les tourments de la rage dedans. Ou alors, le lieu devient le nôtre quand on a tendu aux rideaux, quand on a tendu aux fenêtres les rideaux de notre convenance et poncé les parquets. Habiter un lieu, qu'est-ce que c'est ? C'est comme moi, j'étais trop préoccupée par quoi j'avais. Au fait, ma tête était lourde par rapport à ma réponse que j'attendais. Oui. Donc, du coup, j'étais pas bien attention. Et à un moment donné, je disais, je vais aller me noyer dans Porcus quand je voyais. Donc, j'étais pas bien. Finalement, il y a ma fille qui est venue. Le jour que je suis allée présenter la fille au cadavre, on me parle de vous avez un recommandé. Moi, je dis, oh, je vais présenter ma fille. On me dit que j'ai un recommandé. Donc, j'étais pas bien. Moi, j'ai dit, mais si la réponse n'est pas positive, je vais comment avec la fille. Du coup, après, j'ai dit, je laisse Dieu faire. Et après, je suis allée. Elle me donne le recommandé. Je vais à la pause, comme ça, comme déjà j'étais. J'étais pas bien, je n'arrivais pas à lire, je commençais à pleurer. Après, du coup, j'ai ramené le recommandé chez la dame, elle m'a dit, mais pourquoi vous pleurez? Moi, j'ai dit, ah, mais je pense que la réponse n'est pas bonne parce que je tremblais même. Elle m'a dit, il faut bien lire. Après, j'ai dit, ah, j'ai pensé. D'accord, maintenant, tu es à l'hôpital? Non, je suis au musée d'art moderne, tout juste à l'arrêt du tram. Les humains ne sont pas des calebasses vides. Les ancêtres sont là. Ils ne sont pas un enfermement. Ils ont conçu un monde. Tel est leur legs le plus précieux. L'obligation d'inventer pour survivre. Tout est bien. Sachons accueillir le jour lorsqu'il se présente. La nuit aussi. Rencontre, fait de se trouver en présence de quelqu'un en allant volontairement au-devant de lui.